Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va aller chercher sur le continent justement là-bas. On va aller chercher justement du polymère. Ce qui est bien, c'est qu'avec la Wyvern, on devrait pouvoir faire un petit aller-retour plutôt rapidement. Donc notre but, c'est qu'on va aller faire du polymère, on va aller faire le grill industriel, parce que j'ai ramené une tonne de minerais. Et on se dit que ce serait un peu rentable, limite, de le faire, et comme ça on mettrait tous les minerais dedans. Vu que c'est la seule chose qui nous manque. Donc là, d'ailleurs, je me suis dit, on va aller passer et explorer un peu justement les petites îles pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur les îles. Donc ici, il y a beaucoup de herbivores. Ok. Et ici. Bah, ici, pareil en fait, c'est des îles à herbivores. On va venir se poser pour récupérer l'endurance. Et après, on va partir directement là-bas. Donc là, on va aller chercher du polymère sur les pingouins. Sur les petits pingouins. On avait déjà fait il y a quelques temps sur la chaîne. Alors, on est bien en train de se diriger là-bas, hein, d'accord, hein. Ouais. C'était là-bas? Ou c'était plus à droite? Je pense que c'était plus à droite, les amis. Et dans les prochains épisodes, dès qu'on aura fini ça, là, on est en train de tout préparer pour aller visiter la salle des téléporteurs. Parce que ça fait plus quelques temps qu'on en parle, on en parle, on en parle, mais on n'y a jamais été. Et du coup, on s'est dit, on va aller le faire. Donc, tenez-vous au courant. D'ailleurs, les amis, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Donc, nous voilà arrivés. Ici, on va certainement avoir la crève. Il faudra faire attention. On reprend juste notre énergie là avant d'y aller. Donc, les pingouins normalement sont déjà là. Normalement, pingouin, pingouin. Il a la tête sur la banquise. On est en train de mourir de froid. Non, on a un peu le temps. Il y a des tortues, il y a des petites bestioles. C'est pas sûr, mais vraiment, il y en a bien déjà. Non, là je l'ai vu. Je l'ai vu, le petit. Dracarys. Et je me suis raté. Itadakimasu. On ramasse 20 de polymères sur la bestiole. Donc on va aller voir. Ah voilà, ils ont spawn. Il fallait juste attendre un tout petit peu. Donc. Jaune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un truc. 17, 22. Ouais, en fait, ça change presque rien.
Donc après on se fait de la viande mais de qualité, mais nous on jette tout. C'est pas ce qui nous intéresse. Ah merde, j'ai jeté ce que je voulais pas jeter, bon, c'est pas grave. Allez go. Donc c'est limite pareil. C'est limite pareil. Ça qui est cool. En vrai, le polymère ça va assez vite en plus avec ça. Et il nous en faut 400 si je me trompe pas de polymère, donc il faut pas chômer. Ils se défendent même pas, les petits. On subit pas trop le froid. Là devant nous, c'est que c'est tellement des petits points, tellement qu'on est grand, c'est tellement des petits points qu'on ne peut pas les voir. Voilà. On va jeter tout ça. La peau, on va la garder parce que. Ah non, ouais. J'ai cru que c'était moi qui mangeais. Est-ce qu'on a des petits points noirs qui bougent? Non. Petit pingouin. Voilà combien là déjà? 20. Faut partir du principe que 20 fois 3, 4, 5, 6. Donc 2 fois 6. Je sais pas compter. Non, je rigole. Donc ça nous en fait. On en a 250 actuellement. Environ. Après, j'avoue, j'ai pas beaucoup. J'ai pas fait le compter. Parce que. Voilà. Donc, où en sommes-nous? Pingouin, pingouin, pingouin. De retour. Je suis toujours en train de chasser en vidéo là les petits pingouins. En fait, c'était drôle que quand je suis à Paris, il n'y en avait pas du tout. Ils ont tous spawn après. Mais vu que t'es là-bas, tu peux aller à la base même et récupérer toute la chitine qu'on avait là dans la neige. Parce que normalement, on avait tout stocké là-bas. Hein. On avait tout stocké là-bas. Dans la neige, il me semble qu'on avait presque une armoire remplie de chili. C'est sûr. Pour l'instant, il me faut pas mal de trucs, donc j'en ai encore pour un petit peu de temps. Tapez mes pingouins, le petit. Oh merci, c'est pas ça. C'est dommage que tu peux pas genre faire un élevage de pingouins.
Ben, si tu les enlèves, j'allais dire. Si tu les élèves, c'est bon. Je vais faire un petit tour, ouais, pour le pour la base. Je sais pas si on a là-bas des pingouins. Ça respawn ici ou pas? Ouais, oh, ça respawn tellement vite. Au début, j'ai testé de voir si j'en ramassais plus avec la hache ou autre, mais non, pas du tout, ça change rien du tout. Si, avec l'épée. J'en récupère plus avec l'épée. J'en récupère une vingtaine avec l'épée. Moi, quand je le mange, j'en récupère une vingtaine aussi. Mais je vais tester avec l'épée. Ouais, c'est la même chose, ouais. Après, toi, vu que t'as avec les viandes, ça peut aller, mais moi, je sais que je récupère plus. Enfin, c'était plus une galère à les tuer avec la bestiole, avec l'oiseau, qu'à la main. Bon allez, je vais faire un petit tour à la base. Notre ancienne base a été où? Elle était là-bas. Ok, bah j'ai un petit bout de chemin, mais ça devrait aller vite. On se retrouve les amis quand je serai à la nouvelle base dans la nouvelle île. À de suite. Re les amis, du coup, on a pris comme décision de ne pas le faire maintenant, parce que je vais vous montrer, parce que en fait, je regardais les composants à un côté, mais je regardais pas le plus important, qui est les lingots de cristal de métal, qui en faut 2500 de métal. C'est pas trop dérangeant, on en a pas mal, j'ai ramené une tonne de métal qui fonde. Le gros problème, c'est que ça prend énormément de temps. Et sur le chemin du retour, quand je cherchais du métal et tout, etc., je suis tombé sur un petit griffon. J'ai eu un peu peur, on l'a tamé, mais ça va être un griffon suicide, parce que justement, prochaine vidéo, là, on va aller tamer d'autres griffons. Donc peut-être un seul même, ou deux. Il y en a un qui est très beau qui m'intéresse à garder. Il y a un autre qui ne nous intéresse pas à garder. Et après, justement, avec les griffons, on s'est préparé des pteranodons, des griffons et tout à suicide. On a pour but d'aller enfin vers le portail. Comme je vous ai dit il y a quelques épisodes, on va aller vers le portail. Qu'est-ce que le portail? On expliquera ça bien plus tard. Cet épisode sera un peu court, c'est normal. C'était basé sur l'industriel. J'aurais pu faire un montage et vous montrer quand on va le faire plus tard dans les épisodes, dans la soirée. Mais je me dis d'abord, on va plutôt, comment dire, finir cet épisode. Ce sera un petit épisode, peut-être même deux épisodes le même jour. Ça dépendra du feeling. Mais voilà. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller tamer un griffon. Ben, j'hésite même au pire à faire cet épisode. Il reste combien de temps au pire? Il nous reste. Ouais, il reste. Je peux faire. Ouais, au pire, on va faire les 13 prochaines minutes. On va tamer des griffons. Et le prochain épisode, on va aller justement dans les portails. Allez, on va faire ça, les amis. Je vous reprends dans quelques instants pour vous montrer les petits griffons qu'on a trouvés. Donc les amis, l'aigle a pas mal de torpeur, je vous préviens un peu en avance. L'aigle qui nous intéresse est niveau 95 et il a justement 10 000 de torpeur. Donc attendez-vous un peu à beaucoup de boulot. Griffon. Oui, c'est vrai, Griffon. Oh ouais, je confonds toujours. J'avoue que les griffons sont quand même super beaux quand même. Il y en a un qui est. Tout à l'heure, j'ai un peu observé justement quelle gueule il avait. Le défaut qu'il a, c'est qu'il a le torse avant qui est rose. Mais moi, il m'intéresse toujours quand même. Il est tout à droite, on le voit, c'est le rouge, les amis. Vous voyez, il y a trois griffons. On va essayer de se les choper tous. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est de voir. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, moi, si j'avais chopé une femelle ou un mâle. Niveau 60 en hauteur. On commence par le gros niveau, hein, 95. Ouais. Hein. Par contre, il y a un petit aigle à côté. Peut-être s'en débarrasser, non? Non, c'est pas grave. Ouais, t'as même du métal là. C'est quoi ça? Les oiseaux de.
Mais là, on va faire des échos. Ouais, en vrai. Ah ben. Raté. Oh, j'ai vu un truc ici. Ah, oh, c'est un Terra. Ok. Bah, il y a deux griffons. Il y en a trois. Ouais. 60. 85. 95. Ouais. Les deux sont côte à côte, c'est 85 et 95. Ok, il y en a un autre qui a apparu du coup. C'est une zone où du coup les griffons apparaissent. T'as le fusil toi? T'es où? Ouais. Garde ton. Bah, toi qui viens pas. Il est trop beau le rouge. Je le veux trop. Je sais même pas s'ils ont déjà. Non, les femelles. Le 85, il a à peine 3000 de trucs de torpeur. Comment ça se fait que juste le mec, il a 10 niveaux de plus, il a 10 000 de torpeur. J'ai l'impression qu'il a tout maxé en torpeur. C'est aléatoire. Ah, mais c'est un aigle qui est derrière le griffon. Ah bah oui, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que du coup, il tourne autour, c'est qu'il chasse en fait. Il tourne autour pour se bouffer. Attends, bah, je vais aller chercher avec mon aigle. Ah, ça se fait taper derrière. T'inquiète, ils arrivent. Allez, pas bouche. Par contre, vu qu'on a tous les deux des bleus, c'est quel le tien? Moi, c'est le plus haut niveau normalement. C'est celui d'au fond. Le mien, il a pas 3000 de vie. Ouais, moi, je veux compter sa vie. Je veux pas de poids, je voulais de la vie. Il a déjà 700 poids, je me suis dit. J'ai déjà un aigle porteur, on va dire. Il est passé où le rouge? Il est en bas ou pas? Bah, je le vois plus. Okay. Il est en haut, Léon. Non. Prends pas ton filet. Ah ouais. Et t'as combien de temps? Ouais, c'est pas long pour recharger le fusil de. 5 secondes. Il me suit là? Oui, mais il est un peu lent. Ok, j'arrête pas. Hopé, vite. Allez, c'est parti. 10 000 de torpeur. Ouais, ça va être long. Hein. C'est vrai qu'il faut mettre nos créatures en passif, je vais le faire déjà. Comme ça, ils se prennent des dégâts, mais ils font pas si mal les... C'est bon. Autant qu'ils focusent nos créatures. Ça va, on a déjà fait 2000. J'avais envie de faire des constructions pour le piéger. Ah, il est trop beau. Par contre, on dirait, tu vois, il est un peu. On dirait qu'il est un peu craquelé en fait à cause des plumes. Mais du filet, ouais. Ouais, et du filet, des plumes. Et après, les amis, quand vous le chopez avec le harpon, du coup, si on voulait vous montrer le harpon, il y a l'œil, tu vois, l'autre griffon, il est au-dessus, il tombe. Là, on va faire la moitié, je pense, et il faudra un autre coup de harpon. Enfin, on peut tester d'en remettre un d'harpon direct, mais j'ai pas. Enfin, au pire, on va le voir. Ça part le harpon. Oh, j'ai raté. T'as pas raté, tu l'as touché. Mais c'est juste qu'il faut attendre 30 secondes, je te l'ai dit. Ah oui, oui, c'est vrai. Du coup, maintenant, on le sait que c'est bien 30 secondes. Bon, attends, tu me tournes autour. Genre, je l'ai touché aussi, mais ça l'a raté. C'est peu, c'est faute. Ouais. Je vais attendre encore un peu, continue à tirer. Ouais. Toujours pas? Ça fait 30 secondes passer déjà. Ouais. Pendant qu'il tourne autour, on va juste tirer. Voilà, c'était 30 secondes, il faut pas... En fait, on resetait toujours, en fait. Ah, il est beau comme ça, là.
Bah là, on le chope Ouais. normalement. Il passe pas trop tard. Ouais, là c'est sûr, on le chope. Après, on s'occupera de l'autre griffon pendant que lui il mange. Pendant que lui dort. Non, oui, on monte plus. Il De quoi? ne monte plus la torpeur. Si, elle monte, hein. Mais très Ouais. lentement, ouais. Je vais peut-être crash alors. Ah, c'est bon, ça monte. Mais Ouais, c'est ouais. très lent. Mais c'est vrai qu'elle monte lentement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il monte pas avec moi. Ouais, elle monte plus avec toi. Elle monte lentement. Je cherche quand même à tirer, hein. Le temps. Mais il fuit maintenant. Va les rattraper. Neuf mille deux. Vas-y, bloque-toi dans le caillou. On va attendre, on va pas le gâcher. La dernière fois, j'avais gâché le T-Rex. Il manque une flèche, je pense, et il tombe. Il reste combien? 9 000 oui. Ça, il tombe là. Juste avant l'eau, t'as de la chance. J'ai mis la nourriture et on va aller faire autre chose. Je vais essayer d'attirer l'autre truc en attendant. Attends, je fais une cage ou il y a personne autour? J'ai vu que des herbivores donc fais une cage, je vais attirer l'autre griffon si tu veux pour te rassurer. C'était quoi rare si c'est une mâle ou une femelle du coup le nôtre? Indéterminé. Ah ouais, moi aussi, je vois déterminé, ils ne me disent pas. Ils ont pas de joie. J'ai fait s'il n'y en a pas un autre d'intéressant, mais le Griffon 65. Ouais, T-Rex, reviens vite, reviens vite. J'arrive. Essaye de tanker le T-Rex. Il est en train de manger autre chose. Ok. Un fumier. Il est niveau combien? D'accord. On peut le gérer, je pense. Bah oui, on va le Ouais, caser. il m'a pas touché une fois, il est en train de chasser toutes les petites conneries et il est à moitié de vie. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va se faire. Alors, t'es sûr qu'il y a que des herbivores? Oui, mais il est tombé, lui. Il était plus, bien plus haut. Faut dire merci au cochon qui a pris l'agro à la place de l'autre. Ah, c'est sûr, moi je vais rechercher le griffon en attendant. Et l'autre c'était niveau 85, je crois. Ah, mais il est là le griffon. 85 ou 60? Enfin, je sais pas. Niveau 60, ouais. 85, c'était Ah, un aigle. N'oublie pas. ah oui, ça va. Il est en train de se friter contre. Ouais, c'est pas ça. On va le flécher pendant qu'il tourne, hein, Pendant qu'il qu'il fait ménage. tourne, ouais. Tant qu'il prend pas de dégâts. Il a perdu la groupe, même. Y a beaucoup de vie d'autres, 1000, 2000. Non, mais c'est pas ça pour le problème. Pourquoi tu l'as... Tu peux le manger avec l'aigle? Occupe-toi. Mange-le avec l'aigle ou pire? Ça, il fait aucun dégât en vrai. Voilà. Ah, mais ton...
Quoi? Ton aigle il se prend des dégâts. Ah bon? Ah, t'es une mission. Reviens vite vers le griffon. Attends, il y a deux créatures qui te tapent. Bah vas-y, vas-y, finis ton côté, moi je le t'en fous. C'était les. Tu vois les Kentosaurs là, ceux qu'on vient d'en tuer en plus. Vu qu'on en a tapé un, ils ont tapé tout le monde en fait. J'arrive. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. I'm ready. Oh, j'ai plus de fléchettes, moi. Ah, ok, j'ai 7... j'ai 5000 à faire tout seul. Même pas 4000, 8. Bon, j'ai 5000. Ah, bon, tu divises 8 en 2? Ouais. Diviser de moitié et jeter. Du coup les amis, pour vous expliquer, les griffons, ils vont être bien parce qu'on va pouvoir choper des œufs. Et les œufs, notre but... Ah là, je te vois, tu fais encore rien, je comprends pas. J'ai l'impression que le serveur t'a désincro... Bah arrête de tirer, en vrai, le serveur t'a dés... Il veut pas que tu tires en fait, je pense. Et du coup, oui, on va choper les griffons parce que les griffons peuvent choper les œufs. Je sais pas même s'ils peuvent choper les œufs avec leurs pattes. Ah, peut-être. Parce que c'est ça la strat en fait, j'ai l'impression. Il est pas bientôt endormi, donc ce qui est cool, c'est que je vais pas le tirer. Juste me prendre des dégâts. Parce que si je commence à le tirer et qu'il est bientôt endormi, il va se barrer. Donc autant je vais me laisser prendre des dégâts et attendre. 15, c'est au 3 quarts. 15. Oui. Mais je préfère qu'il me tape, au moins tu lui refous un filet. Et on est sûr de l'endormir, tu vois. Ah là, il prend des dégâts, on va savoir. Là, tu peux l'endormir. On va attendre pour le manège. Ouais. En fait, j'ai l'impression que toi, ça te fait bugger quand il a le filet. C'est quand je tire et que le filet, ça marche pas. Et quand c'est toi, tout à l'heure, c'est toi qui l'avais le filet, ça marchait. Alors, ouais, la prochaine fois, bah, je tirerai avec le filet, moi. Du coup, ouais, le filet, les amis, c'est le harpon. C'est dans le mode Genesis partie 2 que vous pouvez avoir justement ça. Le mode, du moins, les maps, du coup. C'est une extension de ça. Et le filet, vous tirez, vous pouvez presque apprivoiser, du moins bloquer presque 90% des créatures du jeu, quoi. Bien sûr, pas un gigano. C'est bon. Fallait prendre la nourriture, faut diviser par deux. À l'autre règle, par contre, il a à peine à 16%. T'es sûr que c'est. Moi, la viande du poisson cuit, ça m'étonnerait, franchement. Bah tu le vois le bonus de niveau, regarde. État d'apprivoisement 99%. Donc si c'était pas bon, ça serait descendu de ça, non? D'accord. Hein. C'est juste parce qu'il est long, je pense, de base, parce que c'est un griffon niveau 95, quoi. Mais en pire, je vais aller revérifier. Attendez les amis. En tout cas, on va s'arrêter là les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Au prochain épisode, on sera dans les téléporteurs pour les trois maps qu'on vous dira les noms quand on y sera. Ciao, ciao, ciao les amis.